Je suis désolée. Et moi donc? Les noms des disparus. Vous devez m'en vouloir. Nous savons tous qui nous a attaqués. Nous savons à qui revient la faute. Je me demande sans arrêt si j'aurais pu agir différemment. Lorsque mes premiers agents ont disparu, j'ai rappelé les autres. S'ils étaient restés sur le terrain, nous aurions pu gagner du temps. J'avais peur de perdre mes hommes. Du coup, nous avons perdu Dars. Vous protégez les gens sous vos ordres. C'est une bonne chose. Vraiment ? Mes hommes connaissent leur mission et les risques qu'ils courent. Ils savent que l'Inquisition peut leur demander de faire le sacrifice de leur vie. C'est vrai. Ce sont nos soldats, ils feront ce qu'on leur demande. Si Corypheus est dur, il nous faut l'être davantage. La guerre exige des sacrifices de tous. Votre soutien ouvert aux mages vous a attiré quelques ennemis. Nos agents surveilleront ça de près. Si l'on peut identifier les opposants les plus virulents, nous pourrons en tirer avantage. Vous ne prévoyez pas de faire couler le sang tout de même? J'avais prévu de le renvoyer, Joséphine. Elle tue, mais avec gentillesse. Quoi qu'il en soit, j'applaudis votre courage de soutenir les mages. À Golfalois, vous vous êtes sacrifié pour que je puisse revenir ici. Bien évidemment. Une vie contre une deuxième chance pour l'histoire, c'est plutôt une bonne affaire. Ça n'en demeure pas moins un noble sacrifice. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. La mort de la Divine vous a beaucoup touché. Comment vous allez? Vous voulez parler de ma petite crise à Dars? Je vais beaucoup mieux. C'était une bonne amie. Et je vais mettre du temps à m'habituer à son absence. Mais merci de demander. J'apprécie. Je devrais savoir autre chose. Il semblerait que l'armée orlésienne attende notre prochain mouvement. Certains généraux soutiennent notre cause, d'autres sont encore sceptiques. Nos actions sont observées par de nombreuses personnes. Je vous laisse à votre travail.
À votre service, madame. Je vous laisse à votre travail. Bien dormi? Je n'avais jamais rien fait de semblable. Vous parlez souvent aux gens dans leurs rêves? Non. Ajoutez ça à la liste des règles que vous avez enfreintes dans votre ascension vers le pouvoir. Je ne savais pas que l'encre vous aurait permis de rêver avec tant de précision. C'est vraiment remarquable. Mais je suis à peu près certain que nous sommes réveillés. Alors, si vous voulez que nous parlions de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'aimerais en savoir plus sur vos découvertes dans l'immatériel. Je serais heureux de les partager avec vous. Parlez-moi des vieux souvenirs découverts dans l'immatériel. J'ai vu une horde d'humains sauvages marcher au combat. En scandant des chants de guerre. Leur musique primaire ébranlait le sol. Ces guerriers produisaient des harmonies qui surpassaient n'importe quel cœur de la chanterie. Bien que leur cause fût désespérée, leur chant faisait pleurer les esprits. Parlez-moi d'un esprit que vous avez rencontré. J'ai rencontré un esprit amical qui observait les songes de jeunes villageoises rêvant d'amour adolescente. Subtilement, l'esprit les dirigeait vers les garçons du village les plus gentils, ceux qui leur rendraient au mieux leur amour. Je l'appelais la Marieuse. Ce petit village ne connaissait pas sa chance. Parlez-moi des ruines anciennes que vous avez explorées. J'ai découvert les ruines de Barindur, une cité oubliée de Tevinter, ensevelie sous un désert. Les cendres volcaniques l'avaient complètement recouverte. En un instant tragique, toutes les créatures de la cité avaient étouffé et brûlé. Tout ce qu'il restait, c'était des statues parmi les cendres, comme un rappel du drame. Nous parlerons plus tard. Au revoir. Fanfaronnez tant que vous voudrez. C'est moi qui gagne. Vous ne seriez pas en train de me narguer, commandant? Je n'aurais jamais cru ça de votre part. Pourquoi je m'obstine? Inquisitrice? Vous ne restez pas? Ça veut dire que j'ai gagné? Vous jouez à la régulière, au moins. Je joue toujours à la régulière. Ma victoire est inéluctable, reconnaissez-le. Vous vous sentirez mieux après. Vraiment? Parce que là, je viens de gagner. Et je me sens bien. Ne vous en vantez pas trop. Sinon, plus personne ne vous adressera la parole. Je ferais mieux de me remettre au travail. À moins que vous ne vouliez faire une partie. Préparez le plateau, commandant. Quand j'étais petit, je jouais à ça avec ma sœur. Elle souriait comme une pimbèche chaque fois qu'elle gagnait. C'est-à-dire tout le temps. Mon frère et moi, nous nous sommes entraînés pendant des semaines. Vous auriez vu sa tête le jour où j'ai fini par gagner. Avec mon engagement chez les Templiers, puis l'Inquisition, je ne les ai pas revus depuis des années. Je me demande si elle joue encore. Vous avez des frères et sœurs? Deux sœurs et un frère. Où sont-ils maintenant? Ils se sont installés dans les marges du sud après l'enclin. Je ne leur écris pas aussi souvent que je devrais. Ah, à mon tour.
Très bien. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Nous n'avions jamais passé autant de temps sans parler de l'Inquisition ou d'autres sujets si rapportants. Franchement, j'aime bien pouvoir me changer les idées. On devrait passer plus de temps ensemble. J'en serais ravi. Moi aussi. Vous l'avez déjà dit. Nous devrions finir cette partie. Donc, c'est mon tour. Cette fois, vous gagnez. Bien joué.